Les ventes de fleurs et de chocolat ont explosé ces derniers jours en Chine à l'approche de la Saint-Valentin. Les affaires marchent pour les fleuristes de Shanghai qui disent que c'est encore mieux que l'an dernier. Les ventes marchent très bien comparé à la même période de l'an dernier. Nous avons vendu 30 à 40 bouquets en plus. Le prix des roses a augmenté d'environ 20% par rapport à l'an dernier en raison d'une forte demande et de la hausse des coûts de logistique. En général, une rose se vend 8 à 10 yuans, mais ici entre 13 à 15 yuans depuis 2 jours. Les prix des fleurs montent pour la Saint-Valentin et en plus, la fête du printemps vient de se terminer et les services de livraison n'ont pas repris. De plus, pour les roses, les ventes de beaucoup de fleurs importées grimpent. Par ailleurs, les chocolats se vendent également très bien pour la Saint-Valentin. Un magasin de Songjiang à Shanghai a une zone spécialement dédiée au chocolat. Le chocolat entre dans sa période de pic des ventes chaque année autour de la Saint-Valentin. À ce moment, nos ventes augmentent des dizaines de fois comparées aux jours normaux. On le voit, la Saint-Valentin est un jour particulièrement important pour les fleuristes et les chocolatiers.